Jameson. Ah non, c'est pas Jameson ça, vous allez bien monsieur? Ah oui, vous avez mis la petite cape d'invisibilité, dis donc là. Ah d'accord. C'est fort embêtant. Ah oui. Ah, attendez, je descends. Ah bah voilà, nickel. Et, voilà, vous allez bien monsieur? Ça va et vous? Ça va, vous avez un véhicule ou... Ouais, vous voulez que je vous ramène? Ouais, je veux bien que vous me dépanniez, ouais. Ouais, bah y'a pas de soucis. J'arrive, je vais chercher la voiture. Très bien. Et ben voilà, nickel. Hop. Et voilà, vous voulez que je vous dépose? Ah, allez, au service taxi. Ah, vous pouvez ouvrir, monsieur? Ah, attendez. Ah, c'est bon. Merci. C'est bon, hein. C'était par sécurité au cas où. Hein. Bon, sinon, comment allez-vous? Eh ben écoutez, moi ça va très bien et vous? Ah, ça va, ça merci, va. Merci hein, pour le dépannage. Hein. Bah, c'est normal en même temps. Là, vous emmenez le directeur taxi au service. Ah, bah écoutez, faut bien. Hein. En même temps, avec la tempête, vous êtes abrité chez nous, je peux comprendre. C'est une belle voiture que vous avez là, vous l'avez acheté combien, monsieur? Ah, pas si cher que ça, hein. Je crois que c'était 30 000, quelque chose comme ça. 30 000, ça va, c'est plutôt raisonnable. Et ça roule bien ça... Ouais, ça roule très bien, je suis très content, mon achat. Et ça tient bien la route, quoi, c'est très bien pour les visites en plus, donc... Et pour l'agence immobilière? Oui. Ça marche plutôt bien pour vous, j'ai cru comprendre. Ah, pour l'instant, ouais. Il est pas là, mais ouais, on a loué du coup pas mal, pour l'instant ça marche bien, il nous reste plus que peut-être jamais là, c'est pas vrai, hein. À louer, donc c'est pas mal. Eh ben tant mieux alors. Est-ce que votre directrice est là? Non, elle est pas là, peut-être elle reviendra plus tard. D'accord, bah j'essaierai de l'appeler plus tard. Ouais, y'a pas de soucis. Merci beaucoup en tout cas. Bah c'est normal en même temps. Vous voulez quelque chose ou pas? Bah non, c'est gratuit, vous inquiétez pas. C'est réouvert, attendez. Ah c'est pas grave, je vous en prie. Bonne soirée à vous. Ouais, c'est pas grave. Allez, roulez contre le vent, ça ira. Oui, ça ira, merci. Elle se dégage. Et ben voilà, on va faire gonfler un petit peu la caisse, ça serait pas mal. Et puis on va papoter tranquillement. Bah là les gars, faut rembourser hein. Faut rembourser les loyers hein. Tu crois qu'on peut déjà aller à nos maisons ou pas, mon cher Jameson? Ah, aucune idée. Ok, bah écoute, j'étais avec un gars de l'agence immobilière mais je sais pas. On essaiera de la capter si on arrive à la voir. Bien reçu. Ouais, j'ai vu, on a bien nos maisons hein. On a bien nos villas. Si tu ouvres ton plan, normalement l'office du tourisme a coché l'endroit. Bon, ok, bah je vais aller m'installer alors. Oh, attends, elle s'est gourée ou pas? Putain mais... Elle est débile, ma parole, comment elle a fait pour se gourer, bordel? Elle s'est trompée de villa? Mais ouais, putain, elle a inversé! Eh ben, ça sera Ah ouais, on remboursement... Ça sera source de dédommagement? Ah oui, ouais. Ouais, clairement, ouais, je suis bien d'accord. Ouais, dès qu'elle est là, je l'appelle, ça va chier. Je crois que je viens de croiser son collègue. Ouais, bah, commence à lui en parler, comme ça, elle fera pas l'étonner. Attends, parce qu'il a failli m'écraser, ce bâtard. Voilà, monsieur. Bonne affaire. Oui, bonjour monsieur, vous avez demandé un taxi? Et quelqu'un vous a appelé avant ou je suis le premier? Non, vous êtes le premier. Eh ben j'arrive monsieur, vous allez bien? Ouais, ça va et vous? Ça va, vous êtes vers où? Je suis à la salle de muscu là. J'arrive de suite, à tout de suite monsieur. Alors, il est épuisé gros, il a été mis à bout quoi. Mais nickel, faut que je le dépose sur le chemin, mais c'est incroyable tout ce qui se passe. Incroyable. Il pleut beaucoup là, sa mère. Bonjour monsieur. Ils sont original votre taxi ici. Vous allez bien? Si, ça va et vous? Ça va. Attendez, il y a un client qui force un petit peu derrière. Vous avez l'air essoufflé, monsieur? Ouais, je sors de la salle, alors. D'accord, je vous emmène où, dites-moi. Allez, c'est non, parti. Non, j'ai rendez-vous ici. C'est parti. Attachez votre ceinture au cas où. Ouais. C'est jamais vrai. Trop prudent. Ça s'est bien passé, votre sport? Si, ça va. Mais je viens d'arriver en ville, là. C'est mes premiers jours, là. D'accord. Vous avez l'air vraiment pas bien, en tout cas, monsieur. Hein. Ouais, c'est le trajet. Je supporte pas trop l'avion, quoi. Ah, d'accord. Ok, d'accord. Ceci explique cela. C'est... Poison pour Radio Champville. Il pleut toujours ici, là? Pardon, excusez-moi. Je disais, il y a toujours de la pluie dans cette ville, ou... Il pleut depuis... Et je vais aller faire un petit peu. Je suis arrivé tout à l'heure, là. Il y a environ 3 heures, à peu près. Il y a environ 3 heures? C'est... Et il pleut depuis 3 heures? Non, mais beaucoup, quoi. Ah, ouais, mais bon, on aime la pluie, vous savez. Un petit peu de pluie, c'est la période, hein. Bientôt, Thanksgiving et tutti quanti, si vous voyez ce que je veux dire. Ah, d'accord, ok. Ah, c'est comme ça, mais il fait beau, vous voyez ce que je veux dire. Les températures sont plutôt chaudes. Ouais, je vois, ouais. Voilà, mon bon monsieur. Nickel. Allez, vous travaillez dans quoi, monsieur? Pour l'instant, rien. Voilà, monsieur, ça fera 90$, je le mets dans votre poche. Voilà, le reçu. Ouais, je vais vous régler ça tout de suite. Hop, et voilà. Merci, monsieur. Merci à vous. Je récupère le reçu. Passez une bonne journée. Hop. Ouais, mais de même. Oh, il a l'air du père de ouf. Hein. Messieurs, j'ai reçu un email. J'ai reçu un email critique de Truel. Ok. Figurez-vous qu'il a vu, un film où il était sur un cheval. À l'époque western. Un film très sympa, c'est Le Bon, La Brute et La Salope. Ouais. Un truc comme ça. Ouais, je crois que j'ai vu ce film. Il est très sympa, tu vois. Bon, à un moment, ils sont tous à poil et tout, genre, on n'a pas compris, mais bon, c'est très sympa. Et figurez-vous qu'en regardant ce film, ça lui a fait comme un craquage mental, tu vois. Et il peut plus se déplacer. Ouais. Il peut plus se déplacer, il peut ni regarder la suite, parce qu'il voulait la fin du film.
Il voulait savoir comment la salope elle s'en sortait. D'accord. Et il peut plus se déplacer. Donc il peut plus revenir en ville et tout, c'est compliqué. C'est un peu la rédemption, si vous voulez, qu'il a mis dans le mal, vous voyez ce que je veux dire un peu. Ouais, je vois. À quel niveau, niveau 2 ? Niveau 2, niveau 2, évidemment, niveau 2. Ah mais là je peux te dire qu'il est rouge. Ah putain, il est, c'est grave. Il est comme on dit aux états. Il est Red Dead. Il est Red Dead. Ah putain, Gold. Tu peux jouer. Il est Red Dead. Il est Red Dead, on peut avoir plein. Putain, il devait être pris plein d'émotions. Parce que je l'ai vu ce film. Hein. Ah ouais, putain, ça c'était un sacré film. Bah en fait le problème c'est qu'il a pas pu commencer en fait. Parce que ça s'est bloqué aux présentations au début. Au générique. Alors, en fait, je sais même pas si c'est. Non mais je crois, moi tu sais, parce qu'il est encore au DVD, hein, Truel, hein, tu sais, il vient du Mexique, faut pas trop lui en demander. Moi je pense putain, que son DVD il a cramé, son lecteur DVD. Donc mentalement ça fait un pet au casque, tu vois ce que je veux dire. Ah mais c'est quoi comme télé qu'il a? Ouais mais j'en sais, tu sais, encore une fois c'est un Mexicain, il a dû choper ça sur une brocante pour 20 balles. Ouais putain. Voilà. Allô, oui, c'est Manon. Putain, ça va mieux ton craquage au cerveau, putain. Non, je n'arrive plus à bouger les jambes, oui, j'ai si mal. Mais oui, mais je t'avais dit que ce film il était violent. Je t'avais dit qu'il était. Aïe. Et tu penses que ça va se régler quand ton truc? Je sais pas, j'ai la rotule, elle est au niveau de mon oreille. Aïe. Ah, je connais bien ça. Aïe, t'as vu le bruit qu'elle fait? Oui. Bon, bah, on te souhaite. Ah putain, là tu dois être Red Dead littéralement si je puis me permettre. Ah là, je suis mort rouge. Mais je comprends. Bah prends soin de toi en tout cas, mon petit Truel. Oui, toi aussi prends soin de moi. Et on espère te revoir bientôt. Si, cabron, à bientôt. Mais pas trop quand même. Mais pas trop, oui. Pas trop vite quand même. Si, ciao. Prends ton temps, hein. Si. Allez, je vous avais dit, hein, ce genre de film, ça percute plus d'un homme, hein. Ouais, bah je pense qu'il m'a percuté aussi, hein. Oh putain, vous allez bien. Ah, mais c'est quoi cette connerie? Mais vous êtes tous atteints du même syndrome ou quoi? Ouais, faut croire, parce que là, je viens d'exploser sur une moto qui n'existe pas. T'étais à la même soirée que lui? Mais comment ça, une moto qui n'existe? Non, mais je pense que là, t'es atteint de folie, en fait. Non, je pense que c'est le fantôme encore, ça. Ouais, ça va bien. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Je sais plus ta couleur. Silver. Oh putain, Silver, excuse-moi, j'étais à deux doigts de bouillir. Ça va, Silver? Ouais, ça va, mais je pense que ça va encore être une fois sans moi. Va falloir. Ah putain, bordel. Et ça, c'est depuis. T'es aussi tombé Red Dead un peu? Ouais, aujourd'hui, aïe, et je pense aïe, que. Aïe, catastrophe. Vous serez pas déçu du film quand vous pourrez aller dessus. Ouais, j'espère aussi. Mais là, c'est critique, hein. Bon, bah merci, mon petit Silver, à bientôt. Alors, essayez de régler votre problème toutes tes quantités. Ouais, je vais essayer. Merci, bonne soirée à vous, messieurs. Oh, il est en dépression, moi, ça me fait mal, putain. Adieu. Les Rainbow, les gars, on a jamais été autant au fond du monde que. On a envahi les Rainbow, plus de couleurs, hein, c'est du noir et blanc, hein, putain. Et du coup, pour le coup, Red, il est vraiment dead. Je vais... Excellent, ça. Je vais poster un message sur Twitter disant que Rainbow est en fight. Et que Batman arrive. Oui, allô. Ça va, Ladin? Ouais, bonsoir, monsieur Garagan. Quelqu'un s'occupe de toi, là, ou pas? Ouais, c'est bon, mais j'arrive au dépôt de taxi. Non, sors pas les couilles, dis que c'est moi qui te prends. Ah d'accord, je le rappelle. Voilà, vas-y, à tout de suite. À tout de suite. Oh, les gars, je vais reparler à Ladin, ça fait longtemps, putain. Ah, il existe encore, lui? Ouais, bah justement. Apparemment, il a retrouvé son tapis. Ah, et c'est rose. Ah, je sais pas. Ouais, je suis là. Oh putain, Aladdin, ça fait longtemps, ça va ou quoi? Putain, non, ça va pas du tout, bordel de merde. Mais qu'est-ce qui t'arrive, bordel? Je sors du coma, j'ai fait 8 jours de coma, là. Il me manque un petit doigt, j'ai un espèce de... 8 jours de... 8 jours de coma. T'as fait 8 jours de coma, il te manque un petit doigt? Mais oui, c'est ça. Attends, il faut que je... Attends, à la radio, faut que tu nous expliques ça à tout le monde, là. Ouais, ça va. Attends, on va faire une réunion dans mon bureau. Attends, on va faire une réunion dans ma villa. Attends, je t'emmène à la villa. Messieurs, venez à la villa de moi-même. Ouais, mais là, je suis tout perdu de putain de merde. Non, mais attends, comment ça t'as tout... Non, mais qu'est-ce qui s'est passé, putain? T'as branlé quoi? Mais je me souviens de rien, putain, c'est ça que... Non, mais comment ça, tu te souviens de rien? Je peux pas te souvenir de rien, c'est pas possible. Bah, j'étais en moto avec Manu, et puis voilà, c'est tout, je me réveille. Ouais, mais Manu, on est pas prêt de le revoir, putain, Manu, hein. Pourquoi on est pas prêt de le revoir, Manu? Il est tombé Red Dead. Ah, putain de merde. Depuis une certaine rédemption, il n'y a plus rien qui fonctionne dans son cerveau. Il peut plus rien faire. Il est vous parlez de son aversion pour les poneys et tout ça, ouais, putain de merde. Non mais attends, on va à ma villa, tu vas nous parler de sa maman aussi, parce que je sais ouais, que d'accord. Ça, sur ça, t'as la mémoire plutôt aiguisée. Putain, ça va toi sinon? Mis à part que tu sors d'un coma. Oh bah, j'ai appris que je pouvais quand même me branler, donc ça va, c'est cool. Bonsoir. Ah, c'est bon. Qu'est-ce que c'est? Ça va? Ah, apparemment, j'ai toujours pas de garage. Ça sera une option plus tard. Souverainement chez toi, ici? Ouais, on a loué. Putain, super. Vous pouvez venir, messieurs. Attends, faut que je visite quand même. Non, mais c'est bon, putain, mais c'est pas vrai. On visitera plus tard, non? Ah putain, mais... On a quand même Aladdin, le peu de fois qu'on le voit, avec sa petite moustache, il m'avait manqué celui-là. Ouais, c'est clair, putain. Et un doigt, moi? Bon, la télé, elle est éteinte, parce qu'avec ce qui s'est passé sur Truel, j'ose plus l'allumer.
Vous voyez ce que je veux dire? Attends, je mets le film. Qu'est-ce qui s'est passé avec Drouin? Je l'ai sonné. Et on vient de te dire qu'il est tombé Red Dead. Ah oui, putain de... Allez, raconte-nous tout, putain. Bon, eh ben, on était en train de faire le... Je suis pas sûr parce que j'ai vraiment pris un putain de coup sur la tête. Ouais, mais dis tout ce que tu sais, allez, taf ta mémoire. Ok, alors, on était en train de se changer pour récupérer un sac au niveau du shop des vêtements qui se trouve au milieu de la carte. Donc, théoriquement, on devait faire de la cocaïne, si je dis pas de bêtises. Ok. Et là, c'est le trou noir. Je me réveille à l'hôpital avec un petit doigt en moins, un coup sur le visage. Non, mais attends. Et ils me disent que j'ai fait du coma pendant 8 jours. Non, mais taf ta mémoire, c'est pas possible. T'as un élément, t'as quelque chose. Est-ce que Truel sait quelque chose? Mais Truel, je l'ai pas vu, je sais pas. Je suis sorti du coma là. Mais attends, tu sors d'un magasin et tu tombes dans le coma et tu te réveilles avec un doigt en moins. Y'a un problème, putain. Je sais pas, le médecin, il m'a dit que je devais faire du psy et parce que j'ai des trucs psychotes. Mais ça, c'est pas nouveau, ça, c'est pas nouveau. Y'a un nouveau. Pourquoi tu parles que sur la radio, Jalali? Hein? Pourquoi tu parles que sur la radio? Parce que j'ai un problème au niveau des cordes vocales. T'as arrêté d'être aussi. J'ai une nouvelle corde vocale et du coup c'est compliqué avec... Une nouvelle corde vocale, mais qu'est-ce qu'il raconte plus? Ouais, la configuration des boutons. Voilà, des trucs comme ça. D'accord, ok. Et le truc que j'ai dit au... Si, j'ai dit un truc au médecin, j'ai dit que je... Non, au LSPD, j'ai dit que je me souvenais d'une couleur bleue. Bleu. Et j'ai pas de concept avec le bleu, là, comme ça que me vient la tête. Ouais, bleu clair, bleu sombre. Bah bleu ou putain, bleu, ça pue, t'as bouffé du porc ou quoi avant? Ouais, j'avoue, ça pue sa merde. Ça va. Ah, j'y plais, j'ai bouffé une sorte. T'as bouffé du salami ou quoi, enfoiré? Ouais, putain. Non, j'ai pris un peu de chorizo et du Nutella. Oh, merde, ça va falloir que t'arrêtes tes conneries là. Il sort de coma, arrête tes conneries là. Qu'est-ce qui t'arrive? Stop. Excuse-moi. C'est pas possible, pas chez moi, putain. Mais moi, j'ai mal à la tête et tout. Putain, il avait du sang sur le tapis. T'as été dans une boutique, vous aviez un plan. C'était normalement faire de la cocaïne, c'est ça? Je suppose, je peux pas te confirmer. Mais je comprends. Théoriquement, la théorie voudrait que ce soit ça. T'es sorti d'une boutique, des gens bleus vous sont tombés dessus, et tu t'es réveillé 8 jours après? Non, je peux pas te dire. Moi, tout ce que je te dis, c'est que j'étais dans cette boutique avec lui, on était en train de choisir une putain de sac. Trou noir. Caillou étoile, c'est pour Rockstar. J'ai des vagues souvenirs de bleu. Merci, c'est Pio Valet. Je dis pas que c'est des personnes, j'en sais rien du tout. Ouais, bien sûr. Et je me réveille à l'hôpital avec un doigt en moins. Une putain de petit doigt, c'est plus compliqué pour la branlette, tout ça. Moi, j'ai essayé déjà tout à l'heure, on se crée à l'hôpital, parce que c'est pas évident, putain on de merde. On donnera un coup de main pour ça, t'inquiète. D'accord, ça marche. T'as pas pu récupérer ton doigt pour le recoudre? Non, ils l'ont pas retrouvé, ces fils de pote. Pour ils ont pas coupé un doigt. Ils t'ont pas coupé un doigt dans la rue. T'as été torturé. J'en sais rien. Est-ce que Truel était avec toi ou t'étais tout seul? J'ai plus de contact sur le téléphone aussi. Est-ce que Truel était avec toi ou t'étais tout seul à ce moment-là? T'as fait souvenir, s'il te plaît. Quand t'as vu les hommes bleus. Baisse les bras, Jameson, ça ira. J'étais avec Truel, oui, pour le sac. Donc je suppose qu'il était avec moi pour ce qui s'est passé ensuite. Donc c'est lui qu'il faudra voir. Oh putain, c'est embêtant ça. T'en penses quoi, toi? Ouais, moi je pense la même chose que moi. Ouais, moi aussi. On a un pack devant nous qui part faire des trucs, mais c'est pas quoi. Et ouais. Il se fait trancher un doigt, on sait pas pourquoi. Là, il se rappelle de la couleur bleue. Le bleu, c'est le nom de code de Manuel. Est-ce que ce serait pas lui qui t'a coupé un doigt? Manu qui me couperait un doigt? Pourquoi il ferait ça, ce trou de balle? Bah, t'as baisé sa mère. Ouais, c'est mais pas on avait déjà réglé ça, il a baisé la mienne, y'a pas de soucis. C'est on a pas faux, il s'appelle Blue. Je sais, mais il est un peu jaloux que tu baisses sa mère, il aimerait le faire tout seul. Y a un truc que je piche pas là. Une vengeance? Ouais. T'as pris un coma, c'était quoi tes blessures? T'as pris un coup de couteau, c'est pour être dans le coma, quoi. T'étais une pédale ou qu'est-ce qui se passe? Dis-nous. Il m'a dit que j'avais perdu les petits doigts et que j'avais une commotion cérébrale. Bon, c'est pas nouveau ça. Suite à un choc de type violent sur le visage. Mais t'es né avec une commotion cérébrale, non? Mais ouais, je sais, mais bon, bref, apparemment j'ai fait un coma, c'est eux qui m'ont mis dans le coma artificiel. Donc t'es en train Ils de me dire. Ils ont appelé ça un coma PGD. Un truc comme ça, un truc dans le genre. Ouais, bon, t'es en train de me dire que t'as fait un coma, mais je veux dire, putain, y'a des gens qui se souviennent de détails et tout, toi tu te souviens de rien. Ouais, le c'est problème. Pour ça il m'a mis des séances de psy pour que je m'en souvienne. D'accord, et tu commences quand tes séances de mort? Bah, demain, apparemment. Oh putain. Et c'est qui le psy? Et c'est qui? C'est un schtroumpf, il a les cheveux bleus. De quoi? Hein? Il a des cheveux bleus, il a des dreadlocks. Putain, messieurs, alors justement, faut qu'on c'est vous parle. C'est celui que j'ai planté. Oh, merde. Ouais, alors à ce sujet-là, vous voyez lui là? Votre schtroumpf, je vais t'expliquer la story. On a dû le kidnapper. On lui a mis un coup de pression et on lui a mis un coup de couteau dans l'épaule. Okay. Oh, d'accord, c'est pas le cas. Écoute-nous. Il essayait de vendre des informations sur les Rainbow. Il disait en savoir beaucoup. Et attends, parce que là c'est le pire dans cette histoire. J'espère que t'écoutes bien. Parce que des gens, lors d'un événement en ville, se sont pointés
habillés en rose, vert, bref, les couleurs que tu connais, et ouais, se sont fait passer pour nous. Ah, il y a des gens... qui c'est, ces gens-là. Voilà. Lui, il voulait vendre des infos, il les vendait 20 000 dollars. Voilà. Il nous a pris pour des sacrés connards. Il nous a menti plus d'une fois. On lui a planté un coup de couteau, on a fait genre, il y avait un double enlèvement, et on avait enlevé Jameson avec, pour demander des infos. Et maintenant, on va falloir quand même qu'on se penche sur les personnes qui se sont fait passer pour nous. Ouais. Ouais, bah j'ai les noms, si vous voulez. Vas-y. Ah ouais, vas-y, balance. Merci, monsieur Crotelli, Ashley, pour ton septième mois. Son pote qui... on laisse, là, qui le tient en... on laisse en permanence. John. Ouais, John. Ouais, ouais John. Kelly. Ok. Et le dernier, c'est Jean-Louis David. Hein ? Quoi ? Ouais, Jean-Louis, je l'appelle Jean-Louis David. Ouais, c'est Jean-Louis ou David ? Ouais, Jean-Louis David, j'en sais rien. Moi, je l'appelle Jean-Louis David parce qu'il a une coiffure de merde. Ok. Mais tu l'appelles comme ça ou il s'appelle comme ça ? Bah, je sais pas. Moi, je sais que c'est Jean-Louis, il s'appelle Jean-Louis. Écoute, Aladin, va falloir que tu fasses des efforts sur la prononciation des pseudos. Hein. D'accord. Ouais, d'accord. Voilà ce qu'on va faire. Pour tes bleus. On va rien faire. D'accord. Parce que, bah, chercher quelqu'un qui est bleu. Bah, il y en a plein, mais. Ouais, non, mais le problème, c'est que tant que tu nous en mais c'est même pas quelqu'un, plus, je sais pas. Faire, hein. Ouais, je sais, c'est pour ça qu'il faut attendre Manu, il en dira faites plus. Ces petites séances, faites ouais, ces petites mais séances. Ouais, mais Manu, là, en même temps, il est un peu caillou étoile. On peut rien faire pour ton délire, parce que tant que t'en sais pas plus, tes séances de psy et tout. Par contre, on t'a prévenu, fais gaffe au mec aux cheveux bleus. Il a l'air de se mêler de choses qu'il regarde pas. Ouais, d'accord. N'hésitez pas à prendre des petits bonbons sur la table. Je les ai pris ce matin. On peut prendre le banc. Là vas-y, hein. Mais si vous avez un peu de. Vous avez des sachets ou pas? Parce que. Ouais. Rembo, on est en faillite. Est-ce que t'as des chutes? Il va falloir qu'on se remette très vite sur pied, si vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a plus rien qui va là. Donc, est-ce que vous voulez tenter un Sirain ou pas? Elle n'est pas faisable, la Sirain. Alors, un Sirain. Oh, attendez, putain de merde. Elle n'est pas faite un Sirain faisable. Il y en a faisable, ça, je t'assure. Ah bah, j'ai plus de gun. Voilà. Attends, tu viens de perdre 15 000 balles là? Ouais, j'avais une gun et je l'ai pas. Bah, parce qu'ils te l'ont. C'est les mecs en bleu ou les bah, hôpitaux? Je sais pas si c'est. Ouais, oh, pardon, excusez-moi, voilà. Je me suis un peu emporté, ouais, je vais. Ouais, descends de cette table, hein, elle est pas très solide en plus. C'est du Ikea. Arrête! Ouais, putain, ouais, j'essaye, excusez-moi. Mais avec le numéro de série, on peut retrouver avec le numéro de série. Ah, non, essayer. Non, on la retrouvera pas. Si c'est les mecs en bleu, on sait même pas qui c'est, on la retrouvera pas. Par contre, si c'est à l'hôpital, ils te l'ont gardé dans un casier. Ah, ouais, je vais aller voir. Va falloir que tu fasses un effort, Aladin, et surtout, va falloir que vous arrêtiez vos conneries, les gars. Parce que nous, on s'absente de la ville parce qu'on a l'enterrement du grand-mère. Donc, on n'a pas pu être là. Si on revient et que vous perdez des 15 000 balles, hein, que vous faites des comas, que vous perdez des doigts, commence à devenir compliqué. Dans deux semaines, vous aurez plus rien. On fait quoi? On va faire des braquages avec des moignons? Bah, je sais pas, je vous laisse voir avec Manu qui vous en dira plus. Parce que ouais, là, tu nous laisses voir avec Manu, mais en attendant, le Manu, il est caillou étoile. D'accord? Ouais, il est caillou étoile, ok, mais vous pouvez envoyer un mail, je sais pas, je ne sais rien. Lui envoyer un mail? Ouais, mais ça nous aidera pas, ça nous aidera pas. Parce que bah, s'il était pas avec toi pendant que tu t'es fait embarquer, on en saura pas plus. Donc ouais, on va gentiment attendre son retour. Ok, d'accord. Ça et en attendant, faut refaire de l'argent. D'ailleurs, qu'est-ce que tu fais dans cette tenue, putain? Eh ben, c'est la tenue qu'ils m'ont donnée. Donc je suppose que j'étais en train de faire de la cocaïne. Oh putain de merde, c'est pas vrai. Je suppose, je ne sais rien du tout. Tu vas pas t'asseoir là et regarder Red Dead? Oh merde. Ouais, je vais faire ça, je pense. Je vais me calmer. Va voir à l'hôpital. Merde, va voir à l'hôpital s'ils ont pas ton fly. Ouais, je vais aller voir ça, Et ta cuisine américaine, on se fera des petits repas. Ici par contre. D'accord, vous voulez visiter, messieurs ? Bien sûr. Ouais, vas-y. Allez-y. Ah, tu peux boire dans ce vin, je me suis servi avant que vous rentriez. Nickel. Ouais. C'est, bon, c'est du Bordeaux. Tu connais Bordeaux ou pas ? Oh putain, il est tombé ! Bordeaux quoi ? Restez avec nous ! Il faut que tu te relèves, ça va pas. Bon, allez, glissant, voici le premier sous-étage. Alors là, faut savoir qu'on va descendre à 40 mètres sous la terre. D'accord. Un puma quoi. Donc ça, c'est le premier sous-étage. Attends, regarde ça, c'est ma chambre. Waouh. Ouais. Il y a toutes mes Nikers là-dedans. Tu permets que j'essaie le lit? Bien sûr, bah allez-y. Eh les gars, il y a un lit, trois places. Hein. Aladin, tu nous filmes. Et nous, ouais, on est parti. Alors, c'est du bon ou pas? Attends, je le goûte. Attends, j'essaye. Ah, non, bon. Oh bon, il est génial, hein, c'est lui, hein. Il est génial. Moi, j'arrive pas à monter dessus, moi. Sacré garde-robe. Alors, ma salle de bain, t'en penses quoi? On va l'inaugurer. Ah, c'est une belle salle de bain qu'on a là, hein. Ça sera donc l'appartement de Jameson, hein, si jamais c'est inversé. Ok. Hop. Et ça, c'est mon bureau avec mon coffre personnel, éviter de toute façon, j'ai rien mis dedans. Mon ordinateur avec double screen, ça, c'est quand j'ai envie de faire des. Comment ça s'appelle, les jeunes là? Des streaming. Donc là, en fait, depuis ici, je streaming. Et là, ah oui, sur la plateforme.
comment ça s'appelle, Mixer, un truc comme ça. Voilà. Bah là, je lisais le journal, là. Los Santos Figaros. Ouais, c'est sur les crimes et tout, tu vois. Y'a pas d'article encore sur les Rambo, hein, sur le putain, journal. Putain, mais Johnson, t'es en retard. Bah t'as une backup de 2010. C'est une backup 2010. Ouais, non, mais c'est... Les gars, c'est mon ancienne backup où j'avais tous mes pornos, putain. Allez, ouais, quand même, c'est en VHS, ouais. Eh, 600 balles par mois, on va se faire rembourser par jour, on va se faire rembourser les deux premiers jours, et puis voilà, quoi. Y'a qui va faire un cache-cache. Ah, ici, on pourra faire une petite soirée cache-cache, ça peut être drôle. Ah, okay. Mais bon, quand les Rambo seront ensemble. Allez. Okay. Bon, qui pour emmener mon bureau, là? Moi, vas-y. Jameson, je te laisse faire un article, je te dis à plus tard. Ouais, vas-y, à tout. Attends, c'est poubelle à me casser les couilles. Si on, ouais, a pris, si on a pris ces villes-là, c'est parce qu'on a une vue globale sur Syrah. On a une vue parfaite. Ah ouais. Depuis le balcon. Effectivement, donc, ouais, je vois. En étant chez moi, tu vois, en étant chez moi, on pourra tout voir. Eh ouais, ça bosse dur. Bon, je vous emmène où à la...